Madame Picard, vous n'allez pas perdre ce pipi dans votre culotte, là, devant tout le monde. Vous m'inquiétez, là. Vous m'inquiétez là. Alors ça c'est une lettre, monsieur Fouille de l'adjoint, je vous l'accorde, mais votre expression, monsieur l'adjoint, monsieur le premier adjoint, est tout à fait irrespectueuse. Ah bon, là c'est pas possible. Auriez-vous dit la même chose? Je pense que le conseil municipal, je n'ai pas besoin de parler de mon corps et de mon urologie au sein du conseil municipal, monsieur le premier adjoint. Madame Picard, je parle de votre comportement. Quand vous avez parlé ou quelqu'un a pris la parole, je vous ai écouté sans moufter, alors que je n'étais pas tout à fait d'accord. Le fait est que, monsieur le premier adjoint, j'attends des excuses pour l'expression que vous avez utilisée. Bah, vous m'excusez, mais elle tombait tellement bien que... Ah non, monsieur le premier adjoint, elle tombait tellement mal. Rappelez une conseillère municipale sur le fait qu'elle ferait pipi dans sa culotte. Je redis votre terme. C'est infantilisant et c'est rabaissant. Donc, il y a un moment donné, dans votre posture, vous remplacez ce soir monsieur le maire. Monsieur Califé. Oui. Il y a un moment donné, vous devez présenter vos excuses. On vous l'a demandé et vous renchérissez. Vous avez le culot de renchérir sur le fait que cette expression était tombée à point nommé. Reconnaissez, s'il vous plaît, que vous avez fait une erreur. Au moins, vous serez un tout petit peu plus humain. Parce que là, je suis vraiment terriblement choquée. Bah écoutez, ça se soigne. Ça se soigne, madame Véronneau. J'ai... Non, mais taisez-vous un mais peu. Mais on vous donne l'opportunité d'avoir un petit peu de la dignité et de l'humanité, là, monsieur Califé. Oui, écoutez, je me suis expliqué avec madame Picard. Je m'étais excusé. Ah non, on se lève et on se casse. Je m'étais excusé. Ah non, on se lève et on se casse. Là, c'est pas possible. C'est inadmissible. Bon, c'est parfait, on va finir comme tout.